Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouveaux numéros de Iron Man avec les numéros 84, 85 et 86. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire avant de commencer. Venir nous rejoindre aussi sur le groupe Facebook de Construction, le lien est dans la description. Alors, notre numéro 84 d'Iron Man. Les Avengers réunis pour Thanos. Les pièces de notre numéro, donc le Torch Party Craze. Notre pas à pas, notre résultat fini. Tombé au combat, Iron Man meurtrier. L'Iron Patriot, le piège du drapeau. Note 85, Iron Man Galactique, des vacances dans l'espace, le Thorax 14 avec ses pièces, son résultat fini, sa vue éclatée, l'AIM, le cycle de la destruction, l'avènement de MODOK, War Machine extraterrestre. Et enfin, note 86, donc le plus intéressant, je trouve, des trois, avec le mandarin Ultimate, un rival inattendu. C'est surtout cette partie-là qu'on va enfin assembler les deux parties de notre buste ensemble. Notre résultat fini, notre vue éclatée. Dismetal, Fatal Armure. War Machine, l'arme holographique. Dans le prochain numéro, on aura le Thorax, partie 16. On commence par prendre notre pièce C, donc celle-ci. On vient mettre la partie pleine vers le haut. On vient rabattre les deux côtés. On prend ensuite la D avec la B. Donc on vient la mettre comme ça, à aligner les trous ensemble. Donc on aligne tout ça comme il faut. On vient côté intérieur, on va mettre ça en place. Ici, donc pour que ça soit plus facile, on va prendre Novice SP. On va venir les visser déjà de chaque côté ici de notre pièce A, sans qu'elle dépasse à l'intérieur, que ce soit à ras. On vient ensuite mettre ça dedans en alignant bien le tout. C'était le plus marrant à faire. Et on vient ensuite visser ça. Et donc on vérifie, il faut que ça puisse s'articuler, s'ouvrir ici et s'articuler aussi ici. Et voilà pour notre 84. On commence par prendre notre pièce B. Donc quand on tient comme ça, qu'on voit les pointillés sur notre gauche, c'est celle-ci. On vient plier justement sur nos pointillés. Comme ceci.
on prend notre pièce A, donc qui est marquée R à l'intérieur. On vient la mettre ici. On vient ensuite aligner ça dedans. On reprend la pièce de notre numéro 83. Donc c'est pareil, on a un R ici pour bien reconnaître. On va venir juste ici. Commencer à visser une vis TP. On va la présenter déjà en premier. On va venir mettre notre deuxième pièce qu'on vient d'assembler comme ça ici. On pousse ça pour bien aligner le tout et on vient visser ça. Et on voit que ça s'articule impeccable. On vient prendre la deuxième, on fait pareil. On vient mettre ça comme ça ici. Et une vis TP également. On revient sur notre pièce, notre numéro 82. Donc on reprend ce qu'on a fait dans l'étape 1, que l'on vient positionner juste ici. Comme ça. Donc on enfonce ça bien dans le trou. On vient juste ici. Et on y met une vis IP. On vient mettre l'autre en place de l'autre côté. Donc là maintenant on va vérifier que tout s'articule bien. Et on voit que c'est bon. Tout bouge nickel de chaque côté. Donc voilà pour notre 85. Pour notre 86, en premier, on récupère la partie avant du thorax. On vient derrière, on surveille que ça bouge bien ici. On va récupérer notre partie arrière. Il faut arriver à aligner ça dans notre trou. Ça va être le plus coton à faire, je pense. Donc voilà, en passant par l'intérieur avec une pince, vous pourrez le mettre si vous n'avez pas de petite ficelle pour le mettre. Ensuite, il faut arriver à venir bien enclencher ici. Juste que tout soit serré nickel. On va venir mettre des vis. Alors, on va mettre des vis IM. On va déjà en mettre deux dans les deux trous ici. On vient ensuite en mettre deux autres en haut. Une fois que l'on a fait ça, on vient relever tout ça. On vient en dessous ici. On va y mettre nos pièces A et nos pièces B. Donc
la baie c'est celle marquée L. J'ai juste à venir mettre les petits picots dans les trous. Comme ceci, pareil de côté Edsel Martière. Voilà. On prend ensuite nos plaques. Pareil, marqué R et marqué L. La F, c'est celle marquée R. Elle va venir s'emboîter en haut, ici. Voilà, comme ça. Celle marquée L vient de l'autre côté. Et on peut refermer ça. On voit que tout s'aligne parfaitement. Nickel tout ça. Et on garde cette pièce là et ces deux là pour un prochain numéro. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à venir me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!